Coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un message de votre hôte. Alors, je vais vous faire un message de votre hôte, savoir un peu où c'est qu'en est votre hôte en ce moment même dans son état d'esprit. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il envisage avec vous? Ceux qui me regardent, ceux qui suivent cette vidéo, ceux qui regardent cette vidéo, on va voir un message de votre hôte. Où en est votre hôte aujourd'hui dans son état d'esprit? S'il vous plaît. Alors, où en est votre hôte, s'il vous plaît, dans son état d'esprit aujourd'hui? Où en est votre hôte, s'il vous plaît, dans son état d'esprit aujourd'hui? On parle de jalousie. On dit que votre hôte n'est pas bien. On me parle encore de jalousie. On me dit que votre hôte n'est pas bien. Ok. On me dit que votre hôte fait une introspection sur lui-même et il se cherche. Il se cherche. On me parle aussi. Pardon, j'ai failli éternuer sur vous. J'ai mis pause. Pardon, je suis crevée. On me parle que votre hôte a énormément de jalousie, qui vous recherche, qui vous... Peut-être il vous guette en fait. J'essaie de savoir un peu ce que vous faites. En tout cas, il va peut-être vous faire une visite surprise parce que j'ai des déplacements. Il a énormément de passion pour vous. Il éprouve énormément de tendresse, énormément de passion pour vous. Où en est votre hôte aujourd'hui pour ceux et celles qui regardent cette vidéo? Alors, si vous vivez ça, ou alors vous allez le vivre en août, n'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire, à me dire un peu. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, où en est votre hôte, s'il vous plaît, aujourd'hui dans son état d'esprit. Alors, on me parle de passion. Ok, on me parle de souffrance. Alors, on me dit que c'est une personne quand même. J'ai l'impression que votre hôte est en souffrance. J'ai l'impression que votre hôte est un amant en fait. J'ai l'impression que votre hôte est un amant, que vous êtes en couple. Il est jaloux. Il sait que vous êtes en couple. Il va chercher à vous voir, ça c'est sûr. On me dit qu'il se fait du mal. Il a peut-être des souffrances, des maladies. Enfin, on parle de souffrances et de maladies. Il souffre peut-être de votre manque de. Enfin, de votre. Il est en manque de vous. Voilà. Il est en manque de vous. On me dit clairement là, que votre hôte, en fait, est très jaloux parce qu'il sait que vous êtes en couple. Il sait que vous êtes en couple, ceux et celles qui me regardent. On parle de jalousie, En fait, il vous cherche, j'ai l'impression. Peut-être qu'il vous observe. En tout cas, il va vous rendre visite. Il va peut-être vous faire même une visite surprise de par sa jalousie. J'ai des déplacements. Il va venir jusqu'à vous parce que vous le passionnez, en fait. Il est très épris de vous. Mais il est en souffrance d'être votre amant, d'être à la place de d'avoir la place d'amant. Il est en grande souffrance d'avoir la place d'amant. Il souhaiterait peut-être avoir la place d'un mari. Et en fait, il a la place d'amant et ça le met en souffrance. Ça le rend malade. Il a une grosse réflexion, il réfléchit beaucoup, ça le rend malade, il fait trop marcher le mental, il est pas bien en fait. Il n'est pas bien d'avoir cette place-là. On me parle, ouais, d'un excès même de réflexion, mais il me dit que c'est quelqu'un d'intelligent et qui prend les choses du bon côté, malgré qu'il a quand même des doutes par rapport à vous. J'ai l'impression qu'il doute s'il vraiment. Vraiment, vous êtes bien ou pas avec votre mari, mesdames ou messieurs, bien avec votre femme.
Moi, ça me parlera d'un homme rival. Donc, ça peut parler aux femmes. On me parle qu'en fait, il va chercher à vous voir, mais c'est une personne qui dépense beaucoup d'argent. C'est une personne qui dépense beaucoup d'argent. Il a des doutes, il croit que vous êtes avec quelqu'un derrière son dos. C'est pour ça qu'il est jaloux. On peut me parler d'une femme blonde qui me regarde. Et il dépense beaucoup d'argent, ça le rend malade. Il a des choses qui. On voit quand même quelqu'un en dépression. On parle d'influence. On parle d'une personne influencée, influençable, qui écoute pas mal les gens. Et c'est peut-être une personne aussi influencée du fait qu'il écoute pas mal son cœur, en fait. Il sait qu'il a commis des erreurs et culpabilise. Il n'est pas bien. Alors, vous êtes peut-être une femme aux cheveux blonds, une jeune femme. On voit qu'il a commis des erreurs par rapport à une jeune femme. Et il n'est pas bien. On me parle aussi de perte de dépenses, d'hypocrisie et de trahison. C'est peut-être une personne un peu hypocrite. Et elle dépense son argent dans des choses un peu malsaines. On peut voir une personne qui vous a trahi. Mais c'est peut-être aussi une personne qui pense que vous, vous le trahissez, vous êtes un peu hypocrite par rapport à lui et lui dépense pour vous de l'argent. Et ça le rend malade de penser, d'avoir des doutes et croire qu'en fait vous, vous le trahissez et que vous êtes bien dans votre vie. Mais c'est une personne qui va essayer de se guérir par rapport à cette situation. C'est une personne qui va se recentrer sur lui-même. On me parle d'accident. On me dit que cette personne va méditer et pense que de vous avoir rencontré, c'est peut-être un accident. Parce qu'elle sait que c'est mort en fait. C'est la fin avec vous. On me parle aussi de méditation et de faire attention parce que vu qu'on est en souffrance et qu'on souffre et qu'on a une certaine maladie. Une certaine déprime, tout ça, de faire attention à un accident et pas que ce soit la fin non plus. De faire attention, parce qu'on peut me parler d'un accident grave. Que cette personne n'est pas bien, votre hôte n'est pas bien. Qu'est-ce que votre hôte voudrait? Ouais, on me dit que c'est en plus une personne qui doit des dettes, votre autre. Il est vraiment mal parce qu'il dépense de l'argent et en plus il doit des dettes. Il est endetté. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire, ceux qui ceux et celles qui regardent cette vidéo? Ben, il voudrait vous dire que lui, il veut une évolution ou elle. Il veut faire évoluer la relation. Votre autre voudrait vous dire. Il voudrait vous dire que qu'en fait vous êtes arrivé sur son chemin et que vous êtes fait l'un pour l'autre, que vous êtes liés, que vous êtes sa destinée. Et lui, il voudrait vous dire bah, que lui, il croit en une évolution et il croit qu'un jour, vous allez quitter votre mari ou votre compagnon pour vous mettre tous les deux sincèrement ensemble. Lui, il voudrait vous dire aussi qu'il attend qu'une chose, c'est que vous vous séparez. Alors peut-être qu'il vous le dit. Peut-être qu'il vous dit aussi de vous séparer.
Il voudrait vraiment une séparation avec votre mari ou votre compagnon et lui, il veut trouver une stabilité avec vous. Lui, il vous dit que si vous vous séparez, bah, il va se stabiliser avec vous, que vous allez avoir des projets ensemble, que vous allez avancer main dans la main. Il voudrait vous dire aussi que cette situation le fatigue et que ça joue sur son état de santé. C'est peut-être quelqu'un qui peut être invalide ou alors qui souffre vraiment, qui a une maladie ou qui est un peu handicapé, qui a du mal à marcher. Enfin, il voudrait vous dire que c'est une situation qui le fatigue et en plus, on voit que c'est quelqu'un qui travaille énormément et qu'au boulot, il n'est pas bien, ça fatigue. Et lui, il voudrait vous dire qu'il veut cette réconciliation, retrouver la sérénité. Il veut se réconcilier avec vous. On me dit que pour lui, vous êtes comme une amie, une confidente, quelqu'un avec qui il arrive bien à parler. Il est dans les illusions, il croit que votre relation, vous prenez que comme un ami en fait. Il voudrait retourner à ses racines. Il voudrait s'enraciner avec vous. Il voudrait vraiment s'ancrer, créer. Il a beaucoup de regrets. Il est dans les déceptions. Il regrette terriblement cette situation. N'est pas bien. Votre autre est mal. Hein. Très mal. Et on parle encore de dette. Votre hôte a des regrets, des déceptions et en plus il est endetté. C'est pour ça qu'il est mal. Il peut pas vous faire plaisir. En plus, il reçoit des menaces et il est agressé. On voit de l'agressivité autour de lui et des menaces. Pas cool, hein. On parle d'un homme aux cheveux blonds, c'est peut-être un homme aux cheveux blonds, lui. Ouais, il a des papiers à signer. Il reçoit des menaces, il a des papiers à signer, il a énormément de dettes, alors peut-être qu'il doit des sous, puis il est menacé, quoi, de l'administration. On voit que, bon, bah, il essaye de s'aérer la tête dans des loisirs, des activités. Peut-être qu'il doit des sous par rapport à des activités qu'il a fait. Il n'a pas payé, des salles de sport, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi. En tout cas, lui, il veut vraiment être bien. J'ai l'impression que là, c'est plus sa situation, sa fatigue, son moral qui va pas, quoi. Ouais, il en a marre des disputes. On voit une action de rapidité quand même. Il y a des choses qui vont bouger rapidement. Il veut vraiment faire bouger les choses rapidement. Donc là, votre autre, ouais, il va bouger. Cet hiver. Une action rapide cet hiver, peut-être. Il va vous demander pardon. Il est en voie de l'amour. Il va vous demander pardon puisqu'il vous aime. Peut-être il va vous demander pardon cet hiver. On parle que c'est quelqu'un de courageux, de combatif, et qui se laisse pas facilement avoir. On parle d'un véritable changement. Quelque chose qui va bouger après un certain temps de stagnation. De blocage, de retard. On parle de s'éloigner un peu du cercle du travail, de se détacher.
On parle que c'est quelqu'un qui est passif et qui se détache de son travail. Voit de la passivité au chômage, on voit que c'est une personne qui se laisse, voilà, qui est au chômage et qui est passive et il se détache de son travail tout simplement. Il préfère être au chômage parce qu'il n'a pas la force là, en ce moment de travailler. Quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles pour votre autre. On parle de confiance et de fidélité. Lui, il croit que vous êtes dans le mensonge, par contre, mais lui, il vous est fidèle. On parle de contrat signé encore. On parle d'études, ouais, pour moi, il va retrouver un truc. Il va retrouver un truc dès que ça ira mieux pour lui. Ils vont avoir une. Il va avoir comment vous dire? Il va avoir une proposition de travail, de reprendre une formation. Dès que ça ira mieux, il va signer un contrat. Ouais. Il va reprendre quelque chose où il sera bien, où il sera plus stable. Parce que je voyais le travail tout à l'heure. Donc voilà, il va quitter peut-être un commerce, se détacher d'un commerce et prendre quelque chose qui lui plaît et qui sera plus stable pour lui. Là, pour l'instant, il est dans l'inactivité, il ne peut pas travailler. On va continuer avec ce premier message, s'il vous plaît. Continuez avec ce premier message, s'il vous plaît. On parle de communication, dès qu'il va guérir, il va communiquer avec vous. Ce message pour ceux et celles qui me regardent. Comment est leur autre aujourd'hui dans son état d'esprit? Bah, votre autre, il vous désire. Hein. Votre autre, il a un énorme désir pour vous. Ouais, pour une femme. On voit que charnellement, ça se passe bien avec une femme. Vous êtes cette femme, je pense qu'il me regarde. Hein. En tout cas, il a un énorme désir. Lui, il pense que c'est un échec parce que lui, en fait, il a de l'amour pour vous, mais il croit que c'est un échec, que vous, vous ne l'aimez pas comme lui vous aime. Pourtant, on voit de l'amour des deux côtés, hein. Lui, il a un désir pour vous, hein, mais il croit que c'est voué à l'échec et pourtant, vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Vous êtes lucide, vous êtes clairvoyant, vous voyez quand même les choses. Vous voulez quand même poser un verdict, taper du poing sur la table, mais il y a le retour d'une femme. Elle revient. Parce que je vous dis, elle vous aime aussi, j'ai l'amour. Elle revient, on parle d'enfants. Peut-être une femme qui a des enfants, une mère de famille. Ou elle va revenir et retrouver son âme d'enfant avec vous. Que pense de son état d'esprit aujourd'hui? Ouais, on parle d'enfants, de famille, on parle peut-être d'agrandissement d'un foyer. Famille. C'est une personne qui va revenir, mais qui va quand même être entourée par sa famille, ses enfants, ses amis. Et du coup, ouais, vous pensez que c'est un échec parce que voilà, c'est quelqu'un quand même de pas mal entouré, qui est déjà bien installé, qui a une famille déjà. Et voilà quoi, vous vous dites que c'est foutu quoi, c'est mort en fait. Et on vous dit que pourtant il y a un changement. Par rapport à cette situation, il y a un changement, bon c'est un changement du travail. C'est le bac, du paquet. Là, vous avez retrouvé un équilibre pourtant avec cette personne. Vous allez retrouver un équilibre, c'est. Vous êtes peut-être quelqu'un, vous la connaissez depuis l'enfance ou ça fait très longtemps, vous êtes quelqu'un du passé qui revient, qui est un peu dans la vie de cette dame, de cette femme. Et ça fait un certain temps que vous êtes ensemble. Vous, hein, mesdames, je parle de messieurs en face de vous, transposés. On parle d'un contrat. Vous allez de nouveau re-signer des contrats ensemble. Après une instabilité, vous allez peut-être vous réengager ensemble. Vous
C'est une victoire. Il y a eu trop de jalousie et on réussit. On réussit. C'est une victoire. Donc, pour ce que vous entreprenez, c'est une victoire, une réussite. Hein. Voilà le message de votre autre aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Je vais peut-être vous faire un petit débrief avec celui-là. Votre autre, comment est-il aujourd'hui? Que veut-il? Votre autre, comment est-il aujourd'hui? Que veut-il ce dessin qui me regarde? Comment est-il aujourd'hui? Que veut-il? Bon, désolée, je suis mis en pause, j'avais du monde. Votre autre, comment est-il aujourd'hui? Que veut-il? Ben écoutez, hein, votre autre, il est très attiré, hein, par vous. Il est très attiré par vous, il a énormément d'affinités pour vous. Il vous voit comme une femme légère et superficielle, pas sérieuse, qui ne va pas au fond des choses. Pas sérieuse dans le sens où il vous voit peut-être pas ancrée avec lui. Voit comme une femme festive, joyeuse, mais pas avec lui en fait. Il vous voit comme une femme légère, tout simplement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je vais les retourner. Voilà, un jeu qui est parti un peu dans tous les sens. Ok. On me dit que lui, pourtant, il a votre autre, une femme. Qui lui tourne autour, une séductrice, une femme, peut-être une maîtresse, hein. Il y a peut-être quelqu'un autour de lui, mais lui, il vous voit, oui, vous, comme une femme légère. Parce que vous avez la femme rivale qui est apparue. Ou alors, il vous voilà une femme jeune et superficielle, et peut-être qu'il croit que vous avez une femme autour de vous aussi. C'est un homme âgé, lui. C'est un homme âgé, il a des nouveaux projets. Il a des nouveaux projets, il est très attiré par vous. Mais il y a peut-être une autre femme aussi qui lui plaît. Et il a de nouveaux projets, et en fait, par rapport à vous, il est trop dans les doutes et la confusion. Il y a du monde dans ce tirage. Ouais, vous êtes peut-être une femme en couple. Hein? D'où les doutes et la confusion. Hein? Pourtant, il y a eu un nouveau départ entre vous. Ouais, vous êtes face à un choix. Vous avez eu quand même un coup de foudre. Vous savez que c'est votre âme sœur, mais c'est gelé. Vous portez un masque par rapport à lui parce que vous êtes engagé. Et lui, ça lui cause des blessures au cœur. Hein? Parce que c'est trop léger pour lui. Lui, il voudrait le bonheur et l'harmonie, une chance, une opportunité avec vous. Y a peut-être quelqu'un qui lui tourne autour à lui, mais lui, il n'en veut pas. Il veut que vous. Voilà le message de votre autre. Il voit que vous êtes dans le secret, vous êtes en pause, avec un homme superficiel. Voilà, ouais. Vous l'avez rencontré pourtant dans les 3 mois, ou il y a 3 mois. Personne. Voilà ce qu'on peut vous dire. J'espère que ces messages vous ont plu, vous ont parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous.